Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment réparer un trackpad clic physique sur un MacBook. Donc comme on peut le voir, en fait le clic, il y a un bruit anormal, le bouton ne revient pas et surtout il n'y a aucune action sur l'écran. Pour travailler, bien penser à travailler sur une surface plane et sans aucun objet, sans rugosité, pour éviter d'abîmer la plasturgie du portable. Ensuite, on va dévisser le capot arrière avec un tournevis cruciforme. Enlever le capot. Voilà. On va procéder donc à l'enlèvement de la batterie. Alors vous avez trois vis ici cruciformes. Au-dessus, vous avez trois vis appelées Triwind, où en fait il n'y a que trois pattes, donc il faut un tournevis spécial. Généralement vous trouvez ce tournevis là pour démonter les DS ou les Wii. Vous le trouvez facilement sur un site comme eBay pour l'acheter à quelques centimes ou quelques euros. Donc les deux premières vis étaient là et la troisième elle est cachée ici, cette petite languette. Pour la retirer, voilà. Après il faut débrancher le connecteur ici de la batterie délicatement, voilà, et après vous n'avez plus qu'à tirer sur la languette et votre batterie sort toute seule. Pour réparer le trackpad, on va interagir donc sur la vis Torx qui se trouve ici, qui est du T6. Le mieux, c'est de le faire avec l'ordinateur qui tourne, comme ça on peut tout de suite voir si le réglage est bon ou pas. On va retourner la machine, pour cela on met bien sa main sur le disque dur afin d'éviter toute chute. On le retourne délicatement, on va le brancher sur le secteur. On va l'allumer. On va jouer avec cette vis en la vissant.
en dévissant jusqu'à temps, voilà, de retrouver notre bouton, donc notre clic gauche. Voilà. Et là, comme vous pouvez le voir, ça y est, notre trackpad est réparé. Avec donc la double action. Déplacement, voilà. Donc une fois qu'on a validé le clic gauche, on éteint la machine. Et on remonte le MacBook en suivant les étapes dans le sens inverse. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie d'avoir suivi. À bientôt.